Bonjour à toutes et à tous. Chères synergiennes et synergiens, pensez-vous que l'environnement que nous proposons à nos clients pour nos coachings a une importance? Et si je vous emmenais en promenade pour aller voir ça ensemble de plus près? Je suis Sylvie Filipski, coach certifié PCC, mentor coach ICF, superviseur, et j'accompagne les personnes sur le chemin de leur justesse professionnelle naturellement. Et donc, quoi de plus naturel que de proposer ça sur les chemins? Parce que voyez-vous, ce qui m'anime profondément, c'est de faire vivre à mes clients une expérience. Une expérience de connexion avec qui ils sont vraiment et avec la puissance de leur propre cheminement. Alors nous sommes ici, dans un de mes lieux favoris, tout près de chez moi, dans la vallée de l'Hérault, dans le sud de la France, un endroit de toute beauté. On se connaît bien, cet endroit et moi, parce que je viens souvent lui rendre visite. Il m'inspire et puis il me ressource. Et puis surtout, parfois, quand j'y viens avec mes clients, il vient me donner un petit coup de pouce en leur soufflant les réponses qu'ils sont venus chercher. C'est un excellent partenaire de travail, vraiment. Et puis aussi, j'aime bien cet endroit, parce que c'est quand même ici que j'ai fait mon premier coaching en marchant en 2012, alors que moi-même, je faisais mes premiers pas de coach. À l'époque, j'hésitais à me lancer parce que je n'avais pas de bureau. Et puis, en regardant autour de moi, j'ai réalisé que j'avais le plus beau des bureaux qui soit. Et la nature est devenue mon espace de travail privilégié. Alors, ce qui était complètement insolite dans les années 2010, est devenu un peu plus à la mode aujourd'hui, le retour à la nature, à la côte, et on parle de plus en plus du coaching en marchant. Mais de quoi s'agit-il exactement? D'une pratique qui permet à nos clients de s'aérer l'esprit et de mieux réfléchir? Et s'il y avait bien plus que ça? On explore ça ensemble très prochainement? Alors en attendant, de mon côté, pour préparer ce webinaire, j'ai deux questions à vous poser. La première, à votre avis, qu'est-ce que le coaching en marchant peut vous apporter? Et la deuxième, de quoi pensez-vous avoir besoin pour vous lancer? Merci de mettre vos réponses dans les commentaires sous cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la promenade.